Ah, c'est vrai, Malouine, c'est vrai, ça se tient. Robustus pauvrus cacahuétus. J'aime bien. Cacahuétus, pardon. Ah non, gros, on dit pas us, on dit ous. Bah ouais, c'est clair, Wetos, mais bon, c'est histoire de donner du challenge. Alors, c'est complètement. Complètement débile, mais. Voilà. Non. Tous volontaires, je peux pas les prendre. Allez, on retourne à Massilia, faut qu'on trouve l'autre connard. Kushan Empire, c'est où? Alors, Massilia. Attends, parce que là, la carte, elle est n'importe quel sens. Non, pas de Gmod. Toujours pas prévu, non. Cacahuète, ça. Eh, hey, t'as pas rangé mon bureau, toi, hein? Hein? Oh, bah la cacahuète sacrée a dû reprendre sa folle aventure. Oh. Cacahuète! Ah, je l'ai. Quelle salope. Ah, je vous dis, elle a une volonté propre, cette cacahuète, en fait. Elle est magique. C'est une des cacahuètes de Super Dingo. Vous connaissez Super Dingo? Le moral de mes troupes est bas. Ouais. Cool. Mogon Siakoum, Mongo Siakoum. Pas quoi? Mongo Siakoum. On fait quand c'est pas, on fait ça et on fait ça. Voilà. Mongo Siakoum. D'accord. Allez, on est parti. On est parti. Je fais quoi à 1 million d'abino d'abino. Ça existe pas un million d'abonnés. Mon serveur Reign, c'est Krugistan. À 2000 abonnés, je mange la cacahuète sacrée. Ah, c'est négociable, ouais. Mais à 2000 abonnés, elle aura un an de plus encore. Putain, vous voulez me faire crever, quoi. Salut, Shadow Royale. Ah, je suis un YouTuber. Quand j'ai commencé à suivre, il y avait 30 000. C'était il y a 3 ans, je crois. Là, il galère à... Enfin, il galère. J'aimerais bien galérer comme lui. À 95 000, tu vois, le 100 000, c'est déjà... Attends, il y a un banquier à Novlomagus. Novlomagus. Pour pas en gaming. Pour... Attends. Il y a une de mes recrues qui est morte de maladie. Sa culture est inconnue. Personne ne sait ce qu'il aurait préféré. Il demande si je veux l'enterrer à la romaine, à la barbare ou le laisser par terre. Donc je vais l'enterrer à la romaine. Voilà. Et donc il y a un tournoi à. Novlomagus. Roman 2, cohorte légionnaire a quitté le groupe. Ouais, enfin, ça devient craignos ce putain de truc. Hein. Donc tout ça pour dire, déjà 100 000 abonnés dans le gaming, ça me paraît énorme. 1 million en gaming, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Il y en a, attention. Mais ça, clairement... Pas du tout. À moins que je fasse du... À moins que je commence le Minecraft et le GTA 5. Non, je donne pas d'argent.
Alors, j'ai rencontré la femme d'un soldat, d'un de mes soldats. Elle demande à ce qu'on libère son mari. Ou je lui file 200 balles, ou je libère son mec, ou je prends la gonzesse comme pute dans l'armée. Allez, hop. Je l'ai prise en catin dans l'armée. Je sais pas si ça me l'a mis. Non, ça me l'a pas mis. C'est dégueulasse. La meuf, elle vient se plaindre et. Ah, il y a un siège ici. Alors. Lui supplie. Le mot du pain. Ah ouais, j'avais plus rien à manger en fait. Permis déjà Mafia 3, j'avoue. Oh! Ok. Non mais restez sur les remparts, bande de Mongols. Je peux passer? Je peux pas passer. Il n'y a qu'un seul point d'accès, c'est là-bas et je peux pas y aller, c'est ça? Un rip in peace, ça veut rien dire. Le in peace, il est déjà dans rip en fait. Oui! Cette gerbe de sang dégueulasse. Oh, le Battle Sizer, il en prend plein la gueule. Oh, oh, il a du mal. Bah je réagis comme quelqu'un de normal hein. C'est comme si tu parles de la SNCF des chemins de fer, tu vois, c'est. Non, c'est pas possible. C'est pas un troll qui court sur internet, c'est les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et ça c'est depuis. Ça a toujours été. Après vous pouvez me dire que c'est un nouveau jeu de jeunes, mais. Non, non. Oh là 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 là. Il en prend plein sa gueule le petit mode là. Donc c'est le clipping est aussi dégueulasse pour moi que pour vous. Hein. Ça vient pas du stream là, ça vient vraiment du jeu. Du mode. Je pourrais pas vous dire si c'est Je pense que c'est la configuration de la carte surtout. Ça me fait chier. Oh, il y a une tête qui vient de voler là. Non, il faut que je prépare des Razemiki. Des Vareniki. Ça, faut que j'en prépare. Vareniki et la pomme de terre. Avec de la crème et des oignons. La bataille est bientôt perdue, je crois. Ah, j'ai voulu aider le village. J'aurais mieux fait de les laisser se démerder. Enfin, le village, château fort plutôt. Ouais, d'ici une semaine ou deux, Lorgino. On va se faire un petit peu de. Bellum Imperii. Ça fait chier. On va se faire un peu de Bellum Imperii, puis quand on aura fait un petit peu le tour du mode, je ferai du Warsword Conquest.
Ah, Michael est resté avec moi, c'est déjà ça. Non, je vais pas essayer de le séduire, toujours pas. Y a pas moyen. Bon, bah comme ça, je suis plus emmerdé avec le coût de maintenance de mon armée. On va voir le bon côté des choses. Bon allez, je retourne à Massilia, parce que tout ce que je voulais, moi, c'était valider ma quête, en fait. Oh, attends, je me suis pris une branlée, 3 contre 1. Hein. 3 contre 1, c'était même pas mon armée, en plus. Par contre, du coup, j'ai perdu mes prétoriens, ça fait chier. C'est comme si je les avais pas payés une blinde. Oh, je sais pas si je reprends la save. On avait fait quoi depuis? Ouais, on n'avait pas fait grand chose, c'est sûr. Mes chiens deviennent tarés. Pendant la bataille, il a bien lagué, ouais. Mais sinon, non, ça va, c'est stable. C'est gentil, Monrek. Alors, ok, zéro, raté. Putain, mais apprends à viser, mongolien. Ne vous inquiétez pas, hein, l'armée que j'ai paumée, elle va être faite très très vite. En plus, elle était pourrie, il y avait des Gaulois et des Romains. Donc, des Romains de Gaulle et des Romains de Rome. Là, on va pouvoir se faire une armée bien propre. Pas de bâtard, pas de sang mêlé, que du Romain. A plus, Watos, des bisous. Top, 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 viens ici. Viens ici, je te... Hey, je vais te tarter, toi. Prends dans ta gueule, hein. Alors, ouais. Il est près de Massilia, il va vers Massilia. Du coup, je devrais le trouver vers Massilia, je vais te dire. Octavius Quietus, c'est pas lui que je cherche. Attends, c'est pas lui qui vient d'arriver là? Voilà, 1500 balles, du renom, 3000 XP. Niveau 5, machin. Est-ce que t'as une tèche pour moi? Une tèche. Ah non, tu vas te faire foutre. Je peux pas te donner mes troupes, c'est impossible. J'en ai pas. Pourquoi le pseudo Krug Gaming? Mon pseudo, quand je joue depuis 15 ans, c'est Krugar. Beaumont, en Ardèche? Là c'est Roman Gallia donc j'en veux pas. Donc c'est Krugar et puis bah quand j'ai lancé la chaîne, c'était Krug Gaming. A posteriori je l'aurais appelé Tonton Krug. Bon. Mais bon sur le coup je l'ai faite comme ça. Alors, vas-y, recrute. Ah parce que c'est un jeu d'anus. Simplement. Oula.
Ça, j'aime pas ça. J'ai spawn derrière une barrière. Mes fantassins, ils vont jamais réussir à passer la barrière, je suis sûr. Si, ça va? Bah non. Allez, allez, allez. Il n'a pas. Ça pue, ça pue. Ça pue. Ça pue. Putain, ils m'ont fini avec une pierre dans ma gueule, quoi. Bande de bâtards. Jusqu'à 23h, Carole. À moins que je pète un pont et que j'envoie tout chier. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, mais ça devrait aller. Ok, putain, on a des débuts difficiles en ce moment. La vache, alors, ah bah voilà, 10 d'un coup, ça c'est. Ça c'est bon, ça fait plaisir. Et maintenant, faut que je trouve du boulot. Tiens, Marc Aurel. Marc Aurel, le grand Marc Aurel. Vous avez une tâche pour moi. Non, je n'ai pas de tâche pour moi. On va te faire foutre. Cordialement, la direction. Merci, Mike. Alors, mid hall, on va voir s'ils ont du boulot, eux. Marchand d'as, ça fait quoi, marchand d'as? Ça fait rien, d'accord. Allez, on va aller XP nos troupes. Marchand de livres, est-ce que je sais lire? J'ai pas de sous, de toute façon. Marchand mystique. Alors le marchand mystique, c'est rigolo. Je sais pas si vous connaissez. Alors hop, hop. En fait, tu achètes un truc, donc ça coûte 120. Et après, dessus, il y a un enchantement, enfin une propriété aléatoire. Ça peut être bien ou de la merde. C'est rigolo. C'est rigolo. Attention, il va essayer de charger Rome. J'ai plus mon épée, mec. Si, ça va, si, si, c'est. Elle est bien aussi celle-là, on vient de la récupérer dans une bataille juste avant. Oh, attends, faut que je trouve le Guildmaster dans ce bordel. Ah, ça va. Il faut qu'on trouve des brigands, ils sont près de Syracuse. Syracuse, j'ai aucune idée d'où ça peut se trouver. Nold! C'est où Syracuse? Ah, c'est là. Hein? Syracuse, c'est où? Voilà, voilà, elle fait la maline, elle n'en sait rien. Ça
Mais qui était même pas plein. Les sacs étaient pas pleins. Non, je fais pas ça. Et tu saoules avec ton moral bas, ça. T'as rien à manger? Oh merde. Mais ils savent pas, ils sont petits. Non. Alors, ok. Quoi? Pourquoi je pourrais lui dire ça? Mytho! Putain, ils cassent les couilles, sérieux! Dis-moi où ils sont, tes brigands de merde! C'est pas comme si je savais où était la crête et la graisse, quoi. Ouais, c'est en dessous. Mais non, je lui ai pas demandé. Si, je lui ai demandé. Oh, sérieux, il casse les couilles, quoi. Ah, putain, c'est... Salut, Pascal, en Sicile. C'est la Sicile, ça? Bonne nuit, Michael. L'Italie, elle est là. Et donc ça, c'est la Sicile, alors, d'accord. Enchanté, Sicile. Je savais pas que t'étais là. Je vais laisser le nom, hein, c'est quoi cette histoire de morale à la con, là, sérieux? Il y a toujours ce putain de truc de repos. Restez là... 2-3 jours histoire de les reposer à fond. Si on a fait pas mal de batailles quand même, mais là c'est un début, hein. On n'a pas d'armée, on n'a pas notre royaume, on n'a rien, donc bah, y a les batailles qu'il y a quand t'es un petit mercenaire. Allez, on les laisse se reposer un jour, deux jours, les bandits se sont fait défoncer par quelqu'un d'autre. Alors, fais voir un petit peu le moral. Moins 17 toujours. Donc on est quand même passé le moins 69 à moins 17. Hein. Il y a un léger mieux quand même. Faut bien le dire. Faire super attention au rototo avec le soda stream. Ça a tendance à éructer sévère. C'est bon? Quatre. Faut que j'enlève tout de suite cette option. Mais d'abord, faut que je monte mon moral et après, je défonce l'option. Et sinon, ça va faire que la dernière fois, je vais être emmerdé. Ah, bah, y a des bandits qui se baladent là. On va aller à la chasse aux bandits après. Voilà, on est à zéro, donc maintenant je peux le désactiver. Voilà. Normalement, on devrait plus être emmerdé avec cette modification de merde. Je vois pas ce que ça apporte, à part des emmerdes. De toute façon, les options des modes, souvent, c'est pour te faire chier. Hop, 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 stop, stop. Hop, 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 monsieur cadeau. Oh non, c'est pas des... Mais non! Je lui ai dit d'embrasser mon cul. Ce qui fait que ma réputation a baissé. salut Romain. Ouais, ça augmenterait le moral, mais ça coûte trop cher. Non, là, c'est à cause d'une sale option dans ce mode de merde.
qui fait que si tu te reposes pas, tu perds en morale. En gros, tu te déplaces un jour, faut te reposer un jour, quoi. Par contre, il n'y a personne qui veut me donner le quête, c'est vrai. Je repars vers Massilia en recrutant et puis je vais essayer de trouver des. Essayer de trouver des brigands en France. Donc on peut peut-être aller foutre la merde. Hein? On va aller foutre la merde. Tu peux faire le. Non, tu remontes pas ton. T'as pas de morale, toi. Ton personnage, il a pas de morale. Quand tu vas avoir une pute dans une taverne, c'est pour tes hommes que tu vas l'avoir. Tu peux la prendre pour toi. Mais l'option principale des Sporting Ladies, c'est que tu remontes le moral de mes hommes. En fait, elle est toute seule et toi, t'as 1500 hommes et voilà, quoi. T'as de la santé, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Ah oui, lui, il veut que je capture des Allemands, je crois. Non, ça, je fais pas. Je vous l'ai déjà dit, je fais pas, putain. Voir là-bas s'il n'y a pas du brigand. Des bisous, Lolo. Salut, The Killer du 57. Alors. Ça doit être dans les options avant de lancer le jeu que je peux désactiver les logs. Parce que, oh, pardon. Ça devient. Hop hop. Là c'était des bandits là. Là c'était des bandits, je t'ai reconnu. Vas-y, je t'ai reconnu. Allez, on va essayer de se trouver des Allemands, je sais pas, des Anglais. On va bien se trouver quelqu'un à buter quand même. Ouais, c'est rigolo. Allez. Le fameux dialogue où il dit que je devrais aller me laver. Voilà. D'accord, je peux faire aucune formation en fait. Salut Baptiste! Laurent Gomes, une carte de Nold et Sidna. Les modérateurs. Là, il y a toujours le modérateur en chef, hein, Tonton Krug. Celui qui modère à coup de parpaing. Allez, je vais aller les réveiller un petit peu. Je suis pas rassuré sur cette bataille là, je pense. Mmh.